Broly Super ZTER a été nerfé, on en parle en testant l'unité. On commence donc avec une rotation pas officielle pour le Broly, parce qu'il n'y a pas Broly Tech, il n'y a pas le Broly Agilité, il n'y a pas Vegeta Evolution, niveau lien c'est un peu mieux, on a Goku 4 en leader, c'est pas officielle, et on a Gohan Essayagi qui est incroyable, et du coup Beast pour toute la première position, avec Vegeta Evolution également en première position. Du coup on va voir un peu ses valeurs avant, oula, on va se prendre un gros kill dans la tête là malheureusement, mais c'est pas très grave vu que Broly du coup, vu qu'il y a 3 ennemis et 2 tiers cancel, donc 50% critique et une spé bonus, va pouvoir taper extrêmement fort l'adversaire. Wow, on s'est fait ouf, je peux direct stand-by. Je me suis fait tellement défoncer qu'on peut direct stand-by. C'est vous dire à quel point je me suis fait défoncer. Du coup, on va parler du fameux nerf de Broly Puissance. Super ZTR qui n'en est pas vraiment un en réalité. C'est un nerf correctif erroné. C'est très bizarre. C'est très bizarre. En gros, pour simplifier. Normalement, les bonus lors de l'attaque, comme celui de Broly qui est du coup de 150% attaque et défense, se calculent en multiplicatif. Ok, un très gros bonus, tout le monde est content, etc., pas de problème. Sauf qu'en l'occurrence, Broly Puissance étant très très vieux, ce bonus est compté en additif comme à l'époque. Du coup, premier token face du jeu, niveau dégâts, bon, ça commence tranquillement, un petit critique en plus, voilà, ça fait plaisir, on tape au carnage, incroyable, tout ça, tout ça. Une bonus du coup, 11 millions derrière, très bien. Franchement, au niveau dégâts directement, ça commence bien. Il stack à chaque attaque lancée en l'occurrence, enfin, chaque spé lancée en l'occurrence. Et on peut spé bonus auto-bonus, bon, ok, pourquoi pas, admettons. Admettons. Et du coup, ce bonus n'est pas multiplicatif comme on le pensait, mais additif, normalement, généralement, alors comment il tank. Ça va, franchement, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'est le début du combat, c'est normal, mais c'est bien, c'est bien. Du coup, je disais que, normalement, quand il y a un éveil, les bonus sont recalculés et du coup remis à jour. Donc normalement, ça aurait dû être multiplicatif. Bah, ils l'ont pas fait, ils l'ont pas mis à jour, ils l'ont laissé en additif. Bon, dommage, mais en vrai, on perd quelques dégâts, on perd 20 millions environ sur le Broly, sachant qu'il tape plus de 100 millions. C'est ok, c'est une perte de DPS, mais c'est pas non plus extraordinaire non plus. C'est pas un nerf qui devient pas nullissime non plus pour autant. Bon, l'équipe ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre Goku 4 en dernière position parce que vraiment Goku 4. Bon, je ne vous ai pas montré la run d'avant, mais il s'est fait exploser dès le tour 1, malheureusement. Ça ne pardonne pas, du coup, pour l'agilité ici, qui se fait exploser la tête, malheureusement. Mais ce n'est pas très grave, on va voir ici une petite réduction via l'item. Du coup, oui, bah, il n'y a pas de mise à jour de ce bonus, et donc, il a été nerfé, entre gros guillemets. Bon, ce n'est pas vraiment un nerf, vu que techniquement, on n'est pas censé savoir calculer, on n'est pas censé se baser sur la data DL, on n'est pas censé savoir tout ça, du coup, on est censé découvrir la valeur en showcase. Et du coup, bah, se dire, oh bah tiens, c'est moins ce qu'on avait prévu, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est pas un réel nerf, c'est pas genre, ils se sont dit, ah tiens, le perso tape trop fort, du coup, on le nerf. C'est un oubli, visiblement. Et sur un correctif, je ne pense pas. Malheureusement, un perso tape déjà tellement fort qu'en vrai, bah, c'est pas très grave de perdre des dégâts. Niveau défense, par contre, on perd 100 000 de dev, donc on passe de 950 000 avec ses items uniques à 850 000. Bon, avant spé, on survivait quand même. C'est pas très grave encore une fois, mais bon, c'est dommage. J'aurais préféré bien évidemment avoir plus de défense. Voilà, c'est un peu le défaut du Broly. Sa défense est ok sans plus. Donc bon, admettons, pourquoi pas. C'est pas très grave, on fera avec. Mais voilà, c'est un peu dommage quand même. Mais heureusement, on a eu des items uniques défensifs pour le Broly Puissance. Donc, l'un dans l'autre, on les a pas prévus ces items uniques. Voilà, l'un dans l'autre, c'est pas très grave. C'est pas très grave en plus. Disponible en Death Rouge, on va pas se plaindre, mais ça montre quand même un manque de professionnalisme. J'ai envie de te dire, tu mets tout le temps des bonus multiplicatifs, là ça devient additif, pourquoi? Pourquoi tu veux pas la mise à jour? Alors que je la fonds tout le temps d'habitude? Allez savoir. Mais en vrai, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est un nerf, mais c'est pas volontaire, ça n'oublie de leur part, ça arrive un peu trop souvent malheureusement, mais c'est pas non plus la mer à boire. Du coup, c'est pas le premier perso à avoir des erreurs, bon ça, vous le connaissez, mais il y a des persos comme par exemple Gogeta Agilité DBS, le premier du nom, qui du coup avait un bonus d'attaque supérieur à normal, qu'il a toujours d'ailleurs, et par exemple aussi également, d'ailleurs c'est le même fait que Broly DBS, Endurance, et du coup, alors si on va jouer ça comme ça, du coup on soigne quel item, ça c'est cool, Beast qui vient ici prendre des keys, et du coup on n'est pas loin d'avoir 4 carc-en-ciel, allez, s'il te plaît, on a 4 carc-en-ciel, voilà, nickel, et du coup ça montre bien que c'est quand même pas non plus extrêmement difficile. Oh, je vais me faire défoncer. Oh là là là. Bah, du coup, ça me limite un peu niveau prise de ki. Mais marrant cette mécanique, marrante quand même. Marrant, on peut quand même le souligner. Marrant, c'est marrant quand même. Ça change un peu d'habitude. Donc, c'est assez cool. Et du coup, la team, elle marche assez bien quand même. Hein. On a Beast qui tape ultra fort. On a Kitan qui prend position. On a Vegeta Evo, on ne présente plus. On a Revive aussi grâce à lui.
Du coup, même si Broly tombe pas non plus extrêmement bien, tu vois, voilà, justement après ce fameux nerf, bah c'est pas très grave, on arrive à pire, voilà, c'est pas grave. On a également Broly d'ailleurs qui tape extrêmement fort, voilà, j'ai compris l'idée. Et du coup, moi, les trois doublons, les liens 10, franchement, très très cool, j'aurais pu le 100% avec les Death Rouge, j'ai préféré prendre Vegito Agilité pour les doublonner un petit peu, vu que j'avais jamais drop avant. 18 millions plus critique garantie, du coup, on est sur du. On enlève AM8, donc on est sur du 16 millions plus. Donc 34 millions environ, là on doit être sur du ouais, 40 millions quasiment. Donc ouais, on est sur 70 millions, j'en perds mes mots, plus là, ouais, là on a 100 millions. 100 millions, voilà, 100 millions, on n'est pas full stacké, on n'est pas full lien. Quoique si, attendez, on est full lien, je sais pas, ouais, on n'aura même pas le luxe de voir si on était full lien ou pas. Mais voilà, même après nerf, les persos restent absurdissimes. Il y a des ennemis en face en plus, incroyable, incroyable, incroyablissime. Donc là en plus, Vegeta Evolution en l'occurrence va pouvoir AS. Donc ça c'est cool, on pourra du coup taper deux ennemis en même temps, ça ça fait plaisir. Hop, un petit critique ici sur le... ouais, incroyable, incroyablissime ici. Du coup le Vegeta Evolution ici va pouvoir avoir 20 KT ou pas? Oui, j'ai un rival Vaupire, de toute façon je prends les bombes, c'est pas grave. On se booste ici, le bruit agité qui est carnage, je sais plus quand, en transformation, en transformation, je ne sais plus. Du coup ici que Beast qui va pouvoir target également. Bah je vais pas le faire en l'occurrence vu que Broly va tout défoncer littéralement. Est-ce que je me prends les bombes pour dégager un peu le ki? Plutôt comme ça, tiens, hop. On prend ouais, deux cas cancel, voilà. Sans Broly in, vraiment, les cas cancel, c'est un peu compliqué à prendre. Ah, j'aurais pu changer les cas avec... Ah, j'ai mal joué. My bad, j'ai mal joué. J'aurais pu prendre des cas en plus avec, du coup, changement de ki de Goku 4. Donc ça noté, on aurait pu avoir plus de ki que ça. Ça aurait été peut-être même les 4 ki arc-en-ciel. Peut-être, hein. Ça aurait été un peu compliqué, mais pourquoi pas. Mais du coup, Broly Int plus Broly Puissance, vraiment, ça n'a rien à voir. Vraiment, j'ai testé avant sur serveur privé, même avec un nombre de doublons réaliste. Incroyable. Incroyable. Vraiment, le duo est trop trop fort. Vraiment, les cartes qu'on s'est générées par le Broly Puissance couple le changement de ki de l'intelligence. Trop bien. En plus, on se soigne grâce au ki pris avec puissance, avec le Broly Puissance. Et du coup, Babist, est-ce que tu laisses un peu de dégâts pour le Broly, non? Non? Peut-être pas quand même. Niveau lien, on sera mauvais, pour le coup, on sera assez mauvais niveau lien, mais je pense que Broly va quand même taper extrêmement fort. On se prend une spé, bon, Beast, hein, vous connaissez, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, Beast va tout défoncer littéralement. Et du coup, Broly Puissance arrive, 15 millions, du coup, moins 1,5 millions, on est sur du 28 millions 5 à peu près, environ, 28 millions 5, plus derrière, une spé à environ 32 millions, donc on est sur du 60 millions quasiment, voilà, 60 millions, sachant qu'au niveau lien, on n'a pas de spé bonus, et en plus, niveau lien, c'est assez mauvais. Génialissime. Génialissime. Franchement, même après nerf, même avec peu de liens, même sur sa team qui n'est pas optimisée pour lui, magnifique. Mais vraiment, mais tellement puissant. Et en plus, disponible en pièces rouges. Enfin, en pièces rouges et en death rouge. Mais que demander de plus? Que demander de plus? En l'occurrence, le Broly Tech, je vais le mettre en troisième position. On peut mettre le terrain pour l'agiter. Oh là, ça va être trop fort. Prochaine rotation. Du coup, on skip, après on revient. Bon, bah, en fait, on a défoncé le level. Là. On l'a atomisé, malheureusement. Du coup, il n'y en aura pas la fameuse apparition de Broly Puissance avec le terrain, mais c'est vous dire à quel point la team elle est surpuissante, incroyable. Bon, il y a un item parce que Goku 4 est vraiment nullissime, mais franchement, incroyable, incroyableissime, je suis super content. En DS rouge, must have. En DS rouge, en pièce rouge, pardon, pourquoi pas, mais voilà. C'est tout, voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao!